Le Bureau de Visibilité de Calgary is excited to bring you La French Connexion Calgary, where guests are invited to share their fascinating stories and raisons d'être in English and or en français with content in Cree, Michif, Blackfoot and other native languages of Canada. Bonjour, je m'appelle Marc Lalonde, je suis votre hôte à la French Connection Calgary et on se trouve aujourd'hui à la maison Katimavik, ici à Calgary, avec Alison Lord et Edgar-Henri Richard. Bienvenue. Merci, merci. Alors, commençons avec toi, Alison. D'où viens-tu et comment te trouves-tu à Katimavik aujourd'hui? Mm -hmm. Moi, je viens de Windsor. C'est une petite ville pas très loin de Halifax, en Nouvelle-Écosse. J'ai toujours voulu faire Katimovic, mais euh, quand j'ai fini mes études au secondaire, la Katimavik était annulé. Alors, euh, j'avais pas l'opportunité. Mais euh, j'étais très heureuse quand quand je savais que le programme est est euh, vivant maintenant. Relancé, oui. Relancé, c'est ça le mot que je cherchais. Et euh, je suis super contente d'être project leader. Et où as-tu appris à parler français? Uh, j'ai habité en France pendant un an. Uh, j'ai fait ça uh, au lieu de faire Katimavik. J'ai fait un programme avec Rotary et uh, oui, j'ai eu la chance d'apprendre le français là-bas. Formidable. Et toi, Edgar Henry? Moi, je viens d'une ben j'habite dans une petite ville pro à deux heures de route de Québec, Saguenay-Lac-Saint-Jean, euh, ben Saguenay. -Lac bien, Saguenay. Ah ouais. euh, écoutez, c'est le, le, le fjord, tout ça, c'est 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 vraiment oui, quelque bien, chose. Ça s'appelle quoi exactement parce Le Saguenay. Que... Ben le... le Saguenay. Yeah. Euh, <laughs> c'est c'est vraiment c'est beau. Il n'y a pas grand chose, mais le décor, de ça c'est vraiment beau. Ben, j'ai fait une petite tournée là. J'ai j'ai un cousin euh, au Lac-Saint-Jean. Alors c'est pas yeah. loin. C'est vraiment beau. Okay. Et, et Katimavik, qu'est-ce euh, qui t'a donné l'envie de faire ça? Ben en vérité, au mois d'octobre, je ne voulais pas aller au Cégep. J'étais un peu tannée Cégep, c'est de l'école. J'étais un peu tannée d'être à l'école. Puis j'ai dit bon, ben moi, je m'en vais. Je vais aller taper sur Internet, Volontariat International. je suis arrivée sur Catimavic. J'ai envoyé ma demande, j'ai été accepté, ça. Ah, et voilà. Et là, tu te trouves dans, à Calgary, une autre ville francophone. Euh, zéro <rire> francophone. <rire> <rire> Mais, euh, Non, c'est euh, un gros, euh, un gros choc de culture, je crois, parce que, euh, nous autres, on est catholiques romains, on est, euh, tu euh, francophones au bout. Il n'y a, a pas beaucoup d'anglophones au, au, au Québec, non, ça oh. euh, surtout au Saguenay, sur, je vous sur, dirais. Surtout. j'ai beaucoup de membres de ma famille qui parlent mmh. anglais, beaucoup de, 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 ah, de oui, proches, hein. mais… Euh, pas plus loin que ça. Pas plus loin que ça, c'est hein. incroyable. Arriver ici, tu sais, maintenant, je me trompe entre mon anglais et mon français, c'est vraiment bizarre. Ah, ben, c'est quand même… Euh, euh, euh. Un apprentissage à faire. Yeah, c'est, c'est awesome. Bon, parlons de Katimavik. Ça existe depuis combien, combien longtemps, Katimavik? Et c'est fondé pour, pour quelles raisons? Uh, ça a été fondé par Jacques Hébert et c'était lui qui a fait um, beaucoup d'affaires avec le programme. Um, le programme était très populaire pendant les années 70, 80, 90, uh, même 2000, mais um, c'était annulé par le gouvernement Harper en 2011 et c'était relancé il y a à peu près huit mois, je crois. Oh, seulement huit mois, par oui. le gouvernement Trudeau. Oui, oui. voilà. OK. Alors, et ça fait quoi? C'est quoi le, le but de Katimavik? Mm -hmm. Ça existe pourquoi? Très bonne question. Tu veux répondre? Tu si veux répondre. Okay. <laughs> <laughs> ah, ah, bon, c'est une très bonne question. Pour moi, selon moi, euh, c'est une très bonne expérience pour des jeunes qui viennent partout dans le pays pour euh, se réunir et pour découvrir qu'on n'est pas très différent qu'on avait pensé. On a beaucoup de similarités, quand même. Oui, quand même, tu sais. Euh, euh, moi, je, je trouve ça... Je trouve qu'on se retrouve nous-mêmes un peu aussi. On, 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 ça nous aide à faire des choix, tu Moi, je ne savais pas où j'allais. Je ne sais pas plus, mais quand même. T'sais, et on se retrouve nous-mêmes, on, 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 se, on, se, on se met au pied du mur, on, on se... on se, se, se quand' qu'on dit ça en français? On, on se challenge, ouais. je vais le dire okay. en anglais. On, mmh. on challenge. Défi, ouais. yeah, yeah. Toujours. C'est un développement personnel et, ouais. et, 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 un et de groupe qui encourage beaucoup. Et de groupe en groupe. Mmh. Yeah. Alors, ça, ça vous permet de vous trouver vous-même voilà. et aussi de, de, de vous lancer dans le monde, un peu plus loin que, que vos, mmh. vos, vos, vos villages natals. Mmh. Ouais, mmh. puis faire un petit, un petit changement dans, dans la communauté d où, d où, où on habite présentement, c'est... C'est vraiment cool, tu sais. On fait du bénévolat, tout ça. Puis on voit le, la, la reconnaissance des, des gens aussi. De, le, cette semaine, moi, je travaille à, à la food bank. Puis euh, les gens, ils pleurent. Puis là, moi, je, ah! je suis comme bossée, mais C'est le fun. Il ouais, faut faire. Ouais. C okay. Alors, euh, de façon technique, ça, ça, ça fonctionne comment? Alors, vous, vous faites vos demandes, vous êtes, vous êtes accepté au programme. Mm -hmm. Et ensuite, vous êtes. Vous êtes euh, envoyé à, à une maison en particulier, dans ce mmh. cas-ci, Calgary. Mmh. Puis ça dure combien longtemps? Mmh. Ça dure, on dure trois mois à Calgary. Ensuite, on transfère dans une autre ville. que Nous, on va aller à Québec. Mmh. Moi, je suis très content, ça se <laughs> On va manger de la vraie poutine. <rire> <rire> euh, puis on, on part d'ici mmh. le 27 mars et on arrive mmh. le 31 mars à québec en train. À... En, en train. Ah, à... Ça ça va être intéressant. J'ai fait un euh, voyage semblable à votre âge. Euh, dans les années, bien, on ne dira pas. <laughs> euh, alors, euh, et vous êtes à Québec pour trois mois aussi? Oui, on finit le 13 juin à Québec. Et, euh, et ça, c'est la fin de votre séjour à Catimeric, alors? Oui. Alors, c'est un programme de six mois pour les participants. C'est ça que ça marche. Tout à fait. Et j'espère que lorsque vous quittez Calgary, il y, y a une relève qui arrive. Oui, le groupe de Québec mmh, mmh. et notre groupe Switch. Ah, oh, euh, alors c'est que... Ça, ça c'est des, des villes jumelées aussi, oui, de voilà. façon euh, officielle au Canada. Mmh. Alors, ça, euh... Bon, vous parlez du bénévolat. Pendant que vous êtes ici, euh, vous, vous, vous participez, vous donnez à la communauté en faisant mmh. du bénévolat. Euh, Donne-moi des exemples. Toi, toi Moi, tu travailles au football. Au oui. On a fait euh, du bénévolat pour euh, Intercall. In yeah. from the cold. In from the cold, yeah. In from the cold oui. Yeah, on dirait euh, la course euh, qui faisait moins 1000. Euh... <laughs> <laughs> Une course sans chemise, si yeah. je me souviens bien. Ouais, c'était ça, c'était spécial. C'est intéressant. intéressant. Euh, <laughs> um... C'est pas plus pire que le carnaval de Québec. Oh my God! A, a, avec, euh, avec les courses en, en canot sur glace, là. En tout cas, mm. ouais. Elles sont terribles, hein, les ouais, Québécois. Sont terribles, ouais, ouais. Elles sont terribles, ça que je veux dire. On fait ça ici, on est, on est fou ici aussi. <laughs> Ouais. d'autres ouais. 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 euh... euh, choses, ah. on, on a fait des bénévoles pour le food bank aussi. Il y avait une uh, matin à Canyon Meadows Théâtre où ils ont fait une sorte de fête d'appréciation pour tous les bénévoles. Uh, demain, on va faire un petit peu de bénévolants pour um, genre, international de femmes. Mm -hmm. uh, on a très hâte, uh, le 20 mars, parce qu'on va faire une activité, de bénévolat bien, uh, pour genre, international de la francophonie à oh. City Hall. Ouais, ok, à l'hôtel de ville. Ouais, oui, ouais. oui. on a très hâte pour ça. Moi, j'ai hâte. Honnêtement, j'ai vraiment hâte. Ouais, Mais on se fait alors là. Oui. Uh, yeah. J'essaie, moi aussi. Yeah. <laughs> bon, alors, euh, um, euh, vous faites du bénévolat comment vous vous arrangez pour faire ça est-ce que vous, vous avez des liens avec euh, d'autres organismes à but non lucratifs euh, mm -hmm. comment, comment ça se fait ça mm -hmm. uh, comment ils ont été <coughs> est-ce que vous, ou... vous, vous allez trouver oui. des des places est-ce que est-ce oui. que Catimavic est assez bien connu que les mm -hmm. les, les, euh, les organismes mm -hmm. à but non lucratifs viennent à vous oui. pour euh, trouver bon du question. monde Uh, c'est assez difficile dans une très grande ville comme Calgary, surtout quand Katimébik était très connu dans des petites villes à l'époque. Uh, mais on, on a quand même beaucoup d'organisations non lucratives qui nous connaissent et c'est bon des opportunités comme ça parce qu'on va, ah, va attraper plus d'attention et on peut aider plus de communautés et plus de gens dans notre région. OK. Um, nous faisons passer à l'écran euh, le, le nom de votre site Web. Mm -hmm. Et si je comprends bien, si quelqu'un est intéressé à participer à Cativa Mavic, est-ce qu'il est qu y a une limite d'âge? Mm -hmm. Oui, la limite, c'est 17 ans jusqu'à 25 ans. De 17 à 25. Alors, ouais. c'est assez, assez, large, mais ça ouais. part de, des finissants mm -hmm. euh, de l'école, voilà. parce que c'est six mois qu'il voilà. faut, faut avoir fini l'école. C'est une, une hein, expérience parfaite, hein. par finissants. <laughs> et, et les universitaires aussi, ouais. les jeunes yeah. adultes. Alors, c'est ça. Alors, euh, ils font demande. Mm -hmm. Et ouais. puis, euh, euh, j'imagine qu'ils qu passent une certaine évaluation. Est-ce que, est-ce qu'il y a, il, y a, il y a beaucoup de places libres? Est-ce qu'il y a des gens qui se font refuser? Est-ce que, est-ce que c'est très populaire? Moi, j'ai été refusé au début. Oui, hein. euh, Ils m'ont appelé le 31 décembre et je partais le 9 janvier. Mmh. Oui. Ouais. Ah, j'ai, ah, tout vendu. je ouais, ben, <laughs> suis partie avec euh, une petite valise puis un, un sac à dos puis j'ai tout vendu ce que j'avais euh, à maison. Là, je vais revenir euh, au mois de juin, j'aurai plus rien. <laughs> <laughs> ah, c'est le temps de recommencer avec le nouveau Edgar Henry. Ouais, c'est ça que je me <laughs> dis. Tout Ouais. Ça. ouais, ouais, ouais. Bon, dans Catimévic, euh, j'ai triché un peu, je suis allé sur le site web. Vous avez quatre dimensions de, de, de développement. Peux-tu oui. les décrire? Euh, on a l'engagement civique qui. Le bénévolat, c'est ça. La bénévolat, ça, ça tombe La vérité et la réconciliation avec les peuples autochtones. Ah oui. Et euh, qu'est-ce que vous faites pour ça? On, le jeudi, on... on on prend une journée qu'on va pas à nos, euh, nos placements et on, on parle, on découvre la, 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 la communauté autochtone du coin un peu. Euh, samedi cette semaine, on va, on va avoir un cours de langue mm -hmm. autochtone, c'est ça? Oui, yeah. Medchef. Medchef. Yeah. Et on, parce que c'est important, parce que tu sais, mm -hmm. on, on les a tellement euh, nos ancêtres tu sais moi je je passe à étudier beaucoup en histoire puis nos ancêtres les ont bafoués on les a envoyés dans pensionnats, on, on y a rien qu'on leur a pas fait puis je trouve ça super important d'aujourd'hui au moins leur, leur, leur reconnaître qu'on qu'on leur a fait du tort et, et ouais. leur mettre en valeur ouais les remettre en valeur ouais, justement voilà ouais. OK alors la prochaine dimension ce serait euh c'est était... personnel de, personnel ah, un personnel, personnel. Et, et vous faites quoi euh, à part de, de, de vos placements mm -hmm. qui est une expérience valable sans doute euh, mais est-ce que vous avez des, 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 des cours des workshops on a des workshops très souvent euh, très souvent hier on en a eu un sur euh, la spiritualité avec euh, Terry qui est québécois aussi mm -hmm. <laughs> euh, québécois anglophone mais euh, mm -hmm. puis tu sais on, on, on en a des workshops euh, c'est Déjà l'aventure en partant est beaucoup de développement personnel parce que on se retrouve tout seul avec des gens qu'on connaît pas dans une ville qu'on connaît pas. Euh, mais vous êtes supportés quand on même. Est supportés. Ouais, on est supporté. on est vraiment <laughs> très supportés. Mais le fait reste qu'on est euh, un peu. On est parti. On est parti, c'est ça. Ouais. Quand on, on arrive, partir. on se dit ah. Oh, Ouais, OK, là je suis vraiment pas à la maison. <laughs> et la je dernière suis... c'est l'employabilité, c'est ça si je me souviens ouais, bien. Voilà. OK, et, et, et le, le, le placement comme de raison, mm -hmm. ça donne Est-ce que vous avez d'autres ateliers euh, qui sont qui visent ouais. ces dimensions là mm -hmm. euh, on a eu un atelier au début sur euh, les euh, skies Ouais, avec euh, Scotty. Scotty. Euh, right. euh, ensuite, on, on mm. en a eu quand même beaucoup des. Euh... Right, public speaking. On va faire un, un truc de budgeting très bientôt. Je vais préparer ouais. un cours pour quand on va être au Québec, pour qu'ils puissent faire leur entrevue parce que je suis le seul québécois francophone du groupe. Ah fait ouais. que j'en profite de temps en temps, à faire des cours pour qu'ils soient pas trop de. Pour <laughs> donner un peu la <laughs> même expérience dans autre direction. Ouais, c'est ça. Ouais, okay. Alors, euh, si, euh, imaginez pour un instant, si c'est même possible, que je suis un jeune de 18 ans mm -hmm. et puis vous, je suis en train de jaser avec vous, je sais pas, à une école ou à un événement quelconque, et puis euh, ils disent, Katimadik, est pourquoi est-ce que je ferais ça? Mm -hmm. qu Qu'est-ce qu que vous direz? Ah, tu peux commencer. Qu'est-ce que, est, qu est que ah. ça fait pour vous? Ah, oh, une très bonne question. Pourquoi tu le ferais pas? T'as rien à perdre, c'est une super belle expérience que tu vas vivre avec des gens qui vont bientôt devenir ta famille, tu sais. Et c'est une façon de découvrir ton pays propre et, et l'histoire, l'histoire de ton pays propre. C'est de quoi ajouter à ça Te découvrir, juste te laisser aller, juste pourquoi, pourquoi Toujours faire ce que les adultes veulent qu'on fasse. Pourquoi qu'on pourrait pas partir juste pour se découvrir mieux dans sa propre aventure. Ouais, peu. pas juste papa, maman, euh, <laughs> ouais. grands-parents veulent qu'on fasse ça. Go, 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 l'université. C'est pas ouais. si important que ça dans le fond. Ouais. Tu sais, C'est important, mais pas. Papa, Alors, si si, si, si quelqu'un veut prendre, par exemple, une année de pause, mmh. c'est la meilleure, la moment. Secondaire et, et l'universitaire ou en, au pas. milieu de l'université, c'est une façon de le faire assez structurée mmh. euh, et, et dans une situation qu'on qu'on pourrait pas se faire seul. Hein, c'est ça, ça. très difficile mmh. pour, pour toi d'arriver tout seul à Calgary puis d'avoir cette expérience. Puis euh, c'est pas à 90 ans que tu vas voyager, c'est à, à l'âge qu'on a présentement. Tu ouais. sais, il faut pas attendre d'avoir quoi, 60 ans pour voyager, ça c'est. Oui, alors mm -hmm. que vous êtes jeune et libre. Alors, euh, ouais, alors merci beaucoup. C'était un grand plaisir de jaser avec vous. Merci. Et euh, bonne chance dans, dans vos futurs, vos grands futurs. Merci. Merci. Merci à vous d'avoir été des nôtres. À la prochaine.